بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكل متابعي ومتابعات قناة الأستاذ خالد النجار على اليوتيوب. بعض الطلبة كيطلبوا ان ريزومي ديال لي سيت، سوا لي سيت دوكتا يدغيك سوا لي سيت تيتخا يدغيك في سيستيم كوبيك. Et pour cela, je propose cette vidéo dans laquelle je vous présente un résumé de la licite. Donc, on commence par les sites octaédriques. Les sites octaédriques se trouvent toujours au centre d'un octaèdre. Un octaèdre ou un polyèdre à 8 faces. Il y a le chacun de la figure en 8 faces. Voilà la première face. La deuxième face, il y a Ali. La troisième face à droite, Yadi. Ou la quatrième face, là, en arrière, bien sûr. Yadi. Donc, on dit oui, quatre faces en haut et quatre faces en bas. Donc, le site qui est au centre de l'octaèdre. Donc, la distance qui sépare les atomes du site, les distances sont égales. Donc, la distance, par exemple, est égale, bien sûr, cette distance, est égale à cette distance, est égale à cette distance, est égale à cette distance est égale à cette distance. Donc, pour un système cubique à face centrée, là, les atomes en bleu occupent le sommet de le cube, mais le centre de les faces. Donc, c'est pour cela qu'on l'appelle cubique à face centrée. Les sites qui sont sur, tout d'abord, un site au centre de le cube, et les autres sites octaédriques qui sont là, le milieu de chaque arête, il y a une grosse de la belle. Donc, pour calculer les sites octaédriques, on dira que c'est 1, il appartient à la maille, plus on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, on dit 12 fois 1 sur 4, parce que ici, un atome qui appartient au milieu de l'arête, il appartient à 4 mailles. Donc, si on fait la somme, j'obtiens 4 sites octaédriques par maille cubique à face centrée. Donc, les sites octaédriques, bien sûr, on a 4 sites octaédriques, toujours cubique à face centrée, un système cubique. Donc, maintenant, pour les sites tétraédriques, les sites tétraédriques se trouvent toujours au centre d'un tétraèdre. Un tétraèdre est un polyèdre à 4 faces, donc un tétraèdre en 4 faces. Donc, voilà la première face. La deuxième face, Yali. La troisième face, Yali. Qui relie entre l'atome, par exemple, l'atome 1, l'atome 2 et l'atome 3. Et la cinquième face, bien sûr, les quatre cônes en arrière. Donc, qui relie entre les atomes 1 et 2 et 4. Donc, le site tétraédrique toujours se trouve au centre d'un tétraèdre. Donc, de même, le site tétraédrique se trouve au centre d'un petit cube d'arête A sur 2. Donc, il a le cube de la dialogue A sur 2. Le site tétraédrique se trouve toujours au centre de la cube. Pour le cas de la cubique à face centrée, voilà cubique à face centrée, cubique à face centrée, les sites tétraédriques qui connaissent occupent le sommet de la cube d'arête A sur 2. Donc, j'ai combien de sites tétraédriques? J'ai 8 sites tétraédriques par maille cubique à face centrée, parce que les 8 atomes appartiennent à la maille d'un cubique à face centrée. Donc, à chaque fois qu'il vous demande de citer les sites tétraédriques, il y aura le sommet d'un cube d'arête A sur 2. Donc, le cube en rouge, c'est A sur 2. Et la longueur de l'arrêt de le cube, c'est A. Donc, rappelez bien que le nombre de sites octaédriques, nisbel cubique à face centrée, on a 4 sites octaédriques par maille. Et nisbel les sites tétraédriques, on a 8 sites tétraédriques par maille cubique à face centrée. Donc, c'est un résumé. Vous pouvez le résumé sur ma page Facebook Prof Naji Khalid ou directement ma page Facebook Naji Khalid. وصلنا لنهاية هذا الفيديو، كان معكم الأستاذ خالد الناجي، إلى فيديو مقبل إن شاء الله، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.